Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 14 de Tomb Raider. Et juste avant, c'était la reprise, hein, l'épisode 13. Donc du coup, c'était la merde. J'étais en train de faire n'importe quoi. Et là, on arrive enfin, je pense, sur la fameuse plage. On nous a donné rendez-vous. Vous voyez, les vêtements de cette pauvre Lara sont bien déchirés, bien comme il faut. C'est parce que nous sommes une aventurière, hein, mes amis. Donc l'épisode précédent était un épisode vachement action. Je suis mort 2-3 fois, je crois. Une fois parce que j'ai fait le kéké, hein. Sinon, que peut-on dire sur cet épisode-là? Là, ben, vous voyez, c'est très joli. Hein, on a des bateaux qui sont défoncés partout. Regardez, c'est un énorme canon sur ce gros bateau. Là, juste là, un énorme canon. Ah, là, on entend un bruit de moteur. Au début, je croyais que c'était un cheval qui faisait... Mais c'est un moteur. Allez, on va voir. Sam, je suis là. Lara. T'as vu, Sam? Je t'ai sauvé la vie. Alex, tu me dois la vie. Raté ça. Oui. Où est Alex? Ah, il est retourné sur l'Endurance récupérer des outils pour Reyes. Jonah, le kéké. Alors, c'est Lara qui doit faire ça. N'est-ce pas? Bah, Alex. On doit essayer. Contente que tu te joignes à nous, Lara. Comment je peux vous aider? Va aider Jonah. Me dis pas qu'il faut que j'aille récupérer des pièces ou une connerie de ce genre, parce que bon, j'aime pas ce genre de quête où je me dis va récupérer 5 boulons 10 élastiques, et comme on ça on pourra récupérer, réparer le bateau. Ils ont une sorte de palan. Quoi, un palan? T'as raison. On devrait pouvoir en fabriquer un avec des poulies. C'est quoi, un palan? Il y en a peut-être dans ces cordages là-bas. Je vais aller voir. Sois okay. Prudente, Lara. Ouais, je vous avais dit, c'est un truc du style. On va aller chercher des poulies. Alors, on passe par où déjà? Vas-y, Reyes, fais ta plaisir. Que le gars il dit ouais, bah, moi je vais démonter. Moi, de toute façon, je suis comme. Quoi, c'est qui parle là? C'est des ennemis ou. Ah non, c'est pas des ennemis, c'est toujours eux, c'est Reyes et Jonah. Quoi? Ah d'accord. De loin comme ça, Lara arrive à lire ce qu'ils disent. Épique. Alors, essayez d'avancer rapidement cet épisode parce que bon, c'est pas non plus la croix et la bannière, hein, parce que vous l'aurez remarqué, je suis une merde en tout ce qui est combat, malheureusement, hein, ça fait du mal de le dire, mais bon, c'est le cas, hein. Merde, mais c'est qui eux? On dirait qu'ils ont des flingues. What the fuck? La radio est morte depuis des heures. On est complètement. Y'a des gens. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Là, on est faire de là un peu. Alors, où est-ce qu'ils sont? C'est qui vient de la montagne, c'est pas d'être. Ils sont juste là. Voir dire n'importe quoi. Y'en a un qui est dirigé vers moi ou pas? Tu crois que c'est une bonne idée? Peut-être qu'on devrait simplement attendre la relève. Bah, on risque d'attendre vachement longtemps. Y'a un truc qui cloche, mon frère. Prépare-toi. On s'en va à la tombée de la nuit. Ah, il est en haut. Et voilà. Tranquille, les deux neutralisés, sans problème. Ah, shit. Le gars qui veut absolument monter. Je monte là, je m'en fous. Dommage que ce soit pas comme dans les autres Tomb Raider, ceux d'avant. Enfin, ceux de Crystal Dynamics. Où on appuie sur carré en fait et elle allait plus vite. Parce que c'est pas que je suis impatient, hein, mais bon. Le voilà. Où ça? Ah. C'est là. Ouais, récupère le truc, tire dessus. Hein. Hey, il faut le machin. Bah, tire dessus, ok. Enfin, la blessure qu'elle a dans le dos, les blessures qu'elle a sur les bras, quoi. C'est horrible, elle est défigurée du bras. C'est con ce que je viens de dire là, putain, je me rends compte. Oh, merde. Shit.
En fait, je voulais simplement qu'il soit... qu'il ne me voit pas. Enfin, qu'il soit... Putain! En fait, je voulais qu'il soit... comment faire une diversion. Je voulais faire une diversion. Et en faisant la diversion, bah, comme un couillon, bah, je me suis fait repérer. Voilà. Bravo Stéphane, bravo. Alors là, franchement, chapeau bas. Wep là. Ok, si je ne savais pas qu'il fallait faire ça. Je sais même plus comment j'ai fait pour venir récupérer le truc ici. J'ai sauté sur le caillou. Ouais, y a un truc sur le container ici. On peut le récupérer, c'est un trésor. Je sais même plus comment je l'ai fait pour avoir le 100%, mais je l'ai fait, hein. Mais je sais plus comment. Bref, on va voir Reyes, on va lui donner son truc de palan là. Le palan, c'est, on dirait que c'est le truc qui tient les poulies. C'est bizarre de demander un palan. En plus, s'il faut le faire vite, faut pas être lent quoi. Palan. Merci. Ferme ta gueule, Stéphane, ferme ta gueule. Ça va? Ok, on est très gentil avec Alex lui. Alex devrait déjà être revenu. C'est le docteur Whitman. Oh, encore lui. C'est bon, il aurait pu mourir dans un coin. Le mec il tire dans le vide. Combien ils sont? Je ne sais pas. Vous êtes blessé? J'ai vu personne. Zéro. J'ai dû leur faire peur. J'ai cru ah ouais. Raté. Mon... Vous avez à peine transpiré. Les fesses. Il faut croire que j'ai des ressources. Vous auriez pu les mener jusqu'à Lara, nous, ouais. Comme vous l'avez fait au palais. Quoi? Ça ne s'est pas passé comme ça, Lara. Ils m'ont capturé quand vous cherchez Sam. Mais de quoi vous parlez? Ils m'ont clairement dit que c'était la condition pour vous sauver la vie. J'ai tenté de vous prévenir. Bâtard. On n'a pas le temps pour ça. Écoutez, je ne sais pas quel est le problème entre vous, et pour être franche, je ne veux pas le savoir. Mais je l'aime pas. J'essayais simplement de... Vous l'ouvrez encore et je vous promets que je vous explose votre magnifique dentition à coups cross. Bah, je suis d'accord avec Reyes, moi. Si on commence à se disputer, on est foutu. Ah, Jonah. C'est pas si fils de l'avant, tu vois. Le mec, on il a l'air d'un gros bourrin, tu autre vois, chose. Mais... D'accord. Oui, s'il vous plaît. Je vais chercher Alex. Où étaient les outils? Dans la salle des machines. Mais tu sais, Lara, Alex est un grand garçon. Tant mieux. Alors ce sera pas long. Ok les amis, on va chercher Alex. On y va? Qu'est-ce qu'on attend? What are we waiting for? Lara, attends. Oh putain. Tiens, prends cet arc. Je l'ai gardé. Ah ouais, pour c'est toi, pas de la merde, hein. Je l'ai trouvé. Il est puissant. Ses flèches transperceront presque tout. Merci, Jonah. Eh, hey, si Jonah, il avait un frère, on aurait dit c'est Jonah's brother. Putain, merde. Faut que j'arrête avec ces blagues de merde, là. C'est ce que Ross... Oui, j'ai l'arc de la poulie. Alors, on va augmenter. Pendant que Lara parle... Ah voilà, c'est le journal que moi j'ai eu plus tôt. Donc je vous laisse la joie de le lire. Cette île. Alors. En tout cas, pas pour le moment. Inigo et ce monastère sont la clé de l'énigme. Je dois faire quelque chose. Je ouais, dois arrêter ça. Ok, Lara, on va arrêter ça, mais d'abord, on va aller chercher. Attendez. Faut quand même augmenter l'équipement. Lara, parce que sinon, ça. De l'autre côté des falaises. J'ai bon, j'ai compris, je peux augmenter mes trucs. Pour y parvenir. Et c'est les rochers de l'autre côté du quai. Alors, flèche grappin, ça on a déjà. Flèche incendiaire et pendant le feu à l'impact, ça on n'a pas, donc on va le prendre. Ça on a, ça on a passé quoi? C'est pour augmenter les dégâts des flèches, c'est bon, on fait du headshot, pas besoin. Par contre ça on n'a pas, voilà, ça on n'a pas fait. Ajoute un mode de tir alternatif qui empêche de dispersion. On va équiper ça. Ici, manche à canon aéré facilite maniement de l'arme. Ouais, on va mettre ça aussi. Allez, ça c'est culasse, c'est plus rapide. Ouais, on va mettre ça aussi, on a des badass. Fusil à pompe. Bon, allez, ça suffit.
On va aller chercher ce kéké d'Alex. On va passer par là. Et c'est parti. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est show. Putain, pourquoi je chante ça? Pourquoi je monte là? On va prendre des flèches, on va pas se gêner. Et là, on va sur l'endurance, mes amis. On va sur l'endurance. Et nouveau truc de débloqué grâce au truc de grappin. De poulie, enfin je veux dire l'arc à poulie. Le fait de pouvoir tirer et accrocher les flèches sur les murs. Les murs bien sûr sur lesquels on peut s'accrocher avec le piolet hein. On est bien d'accord. Je m'approche de l'endurance. Pourquoi t'as besoin exactement? Alex, on se faisait un sang d'encre. J'ai besoin d'une barre de ressources et du reste de mes outils. Sinon je peux pas réparer le bateau. D'accord, je m'en occupe. Lara se dirige vers toi, tu ferais mieux de l'attendre. Lara ? Non, non, c'est pas la peine, j'y vais. Je fais silence radio. Alex, qu'est-ce que tu fais ? Il est con, le gars ! Alors, non, pas le bon chemin. Faut aller là-bas. Merde. Ah, si, c'est ça. Je crois, non ? Putain, je sais plus. Allez, on va voir, hein. On va bien voir. C'est pas ça, tant pis, hein. Putain, la mouette, elle a bugué. Elle a fait un truc trop bizarre, quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, putain. Ah ouais, et c'est moi la fille. C'est qui cette fille? Putain. J'en sais rien. Ils disent qu'elle est arrivée sur le dernier bateau. Cette personne a tué Vladimir. Elle a tué un des... Est-ce que tu veux bien monter, Lara, s'il te plaît? Putain, c'est pas possible. Je sais pas où passer. Putain, eh, mais faut passer où, sérieux? Sérieux, faut passer où? What the fuck? Bon, faut bien passer là parce qu'elle est méchante, mais Ah, c'est pas là, hein. Sérieux? Lara, tu peux pas monter ça là? Putain, mais c'est du foutage. Ah, c'est... d'accord, c'est là. Ok, d'accord. Ouh. Genre, le truc là-bas était hyper, hyper bas. Elle peut pas le monter. Mais ça, sans problème, tu vois. Franchement, Lara, je te comprends pas. Oh putain. Sors ta cachette! Non, mais on sa grenade déjà? Oh. Je voulais une grenade! Allez! Oh putain! Allez, sors! Voilà! Et c'est parti! On va essayer d'avancer rapidement parce que sinon ça va bientôt être la fin de l'épisode et ça va pas le faire. Oui, je vous mets des petits coups de pression comme ça, moi. On n'aura rien fait dans cet épisode. Shit. Si on pouvait exploser pendant que t'es en train, on s'accroche en fait au mur, ça aurait été génial. Exploser, je veux dire, au fusil à pompe, ça aurait été génial. Mais là, on peut pas. Il faut aller là-bas. Ok, on est sur la bonne route, les amis. On est sur la bonne route. Je suis sûr qu'il y aura des clics. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire aux exterminateurs? Putain! Voilà. Mort, gars, tu es mort. Moi, je les attends même pas parler, quoi. Ah, tombe secrète. On va pas le faire. On va pas le faire parce que. Prends le fusil à pompe là, je pense. Et non. Et non. Alors là, sérieux. Sérieux. Elle fait vraiment ça, Lara. Putain, elle est forte. Et on est parti. Franchement, elle est douée. Tout ça pour aller sur le... Alors là, je crois qu'on n'a pas assez de force pour tirer. C'est ça, on n'a pas assez de force pour tirer, malheureusement.
Elle le sait qu'elle peut pas encore le faire. Solaire a vieilli. Bref, bientôt. Vous lisez. Et voilà, c'est parti. Ça part de la reine solaire. C'est intéressant comme texte, hein. Je vous invite à mettre pause si vous voulez vraiment comprendre l'histoire de Tomb Raider, ce Tomb Raider. Donc je sens que on va juste avoir le temps, malheureusement, d'arriver au bateau avant de devoir se quitter, les amis. Hein. Et je pense que ça va couper comme vous savez, comme vous n'aimez pas là, ça veut dire que ça coupe en chien, paf, direct. Endurance. Et ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Je veux dire juste avant un truc énorme. Regardez le temps qui restait. Il reste un petit peu de temps. Donc qu'on va faire c'est qu'on va. Je vais quand même sauvegarder, camper. Au cas où il n'y ait pas de sauvegarde après, comme ça je pourrais quand même bien reprendre par la suite. C'est parti, on est parti, on cueille un petit truc et on plante sa flèche. Et c'est parti. Non. Oh le kéké. Oh le kéké. J'ai failli faire une énorme boulette là. Franchement. Donc ça c'est les bunkers, vous voyez les bunkers je m'en fous. Les machins que on pouvait voir dans qu'il y avait déjà dans les guerres, hein, dans les guerres différentes guerres, mais qu'on pouvait aussi voir dans Medal of Honor, truc de débarquement allié là. Débarquement allié je crois. Ça parlait de Normandie, hein, le débarquement, donc du coup c'était dans le ton. Oh shit. Vas-y, essaye. On perd le temps. Ça fait combien de générateurs ça fait ? Ils leur servent à quoi d'abord ? Ça veut dire, ça se commande, on exécute, sans problème. Si on a déjà tiré tous ces portables la semaine dernière, qu'est-ce qu'ils prévoient ? C'est un stade ou quoi ? Vous voyez, on essaie de rester discret quand même. Hein. Putain, il m'a repéré. Il m'a repéré. Fais chier. Ah putain. Eh bien, mes amis, voilà, ça signe la fin de l'épisode. Rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici demain. Allez, au revoir et bonne soirée, bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Au revoir.